L'Arbre nu, BD écrite par Kum Suk Jendri Kim, adapte un roman autobiographique du même nom, datant de 1970 et écrit par Park Won-seo. Cette bande dessinée se présente dans un volume très imposant en grand format et comportant environ 330 pages. Avec sa taille et sa couleur rouge vif, elle ne passera donc pas inaperçue dans votre bibliothèque. Pour compléter l'ouvrage, on trouvera en toute fin un postface de l'auteur qui revient sur son expérience d'adaptation du roman d'origine, quelques photos d'archives de la Corée des années 50, ainsi que quelques pages qui nous expliquent les tenants et les aboutissants de la guerre de Corée. On a donc ici une édition haut de gamme et plus que complète. L'histoire va nous proposer de découvrir la Corée des années 1950 et plus particulièrement Séoul. À cette époque, la guerre de Corée vient d'éclater, opposant alors le Nord, soutenu par une idéologie communiste, et le Sud, qui devenait un protectorat des Nations Unies et plus précisément des États-Unis. Dans ce contexte, le récit va se focaliser sur une jeune femme d'une vingtaine d'années qui se trouve être l'auteur du roman elle-même. On sera donc les témoins de sa vie au fil des mois qui passent et de ses états d'âme. Elle a notamment vécu plusieurs drames familiaux et elle est donc loin d'être une incarnation de la joie de vivre. Sa vie de jeune adulte est loin d'être sereine et la société coréenne de l'époque est tout aussi compliquée. Entre exode des civils, menaces des bombardements et incertitudes constantes quant à l'avenir du pays, rien n'est simple. Cette jeune femme travaille dans une sorte de grand magasin, le Post Exchange, qui existe exclusivement pour répondre aux besoins des soldats américains alors sur place. Son travail consiste à superviser quelques artistes peintres qui reçoivent des commandes afin de retranscrire des photographies sur des bouts de tissu. Ceux-ci deviendront alors des souvenirs pour les soldats américains, les envoyant à leurs amours restés au pays. C'est au travers de son travail qu'elle va rencontrer un peintre énigmatique qui va faire vaciller sa vie déjà suffisamment compliquée. Entre conflits familiaux, rêve d'une romance impossible, difficulté à trouver sa place dans cette société, ou encore danger latent dû à la guerre, voici autant d'éléments qui viendront se mélanger pour nous proposer un récit sombre, historique et biographique. Vous l'aurez compris, ce livre n'est pas nécessairement à mettre entre les mains des lecteurs qui voudraient se détendre ou tout simplement s'évader. De fait, l'humour est ici quasiment absent, et il n'est pas question de dépeindre un univers agréable ou un quotidien joyeux. Pour autant, ça ne nous empêche absolument pas de nous attacher assez rapidement à cette jeune femme, malgré les barrières culturelles et historiques. L'auteur arrive assez facilement à nous faire ressentir les états d'âme de cette jeune femme, ses hésitations, ses blessures, ses incertitudes, ses doutes et plus d'une fois sa tristesse. On pourra aisément ressentir de la peine pour elle, notamment au travers de sa relation avec sa mère, car on voit alors dans cette jeune femme une enfant qui n'arrive pas à recevoir de l'affection tant recherchée. Les mouchoirs pourront donc potentiellement être de sortie chez le lecteur empathique. Il y a effectivement dans ce livre une forte charge émotionnelle, il y a une force très évidente, comme si on vous mettait un coup de poing à l'estomac. Et cette force est, d'une certaine manière, également illustrée au travers du dessin. La dessinatrice démontre une grande imagination et surtout une grande créativité en ce qui concerne l'aspect graphique du titre. De manière générale, on pourrait dire qu'il y a une fluidité quasi organique des traits. On peut voir une sorte de prolongement des mouvements. C'est-à-dire que la séparation entre les personnages et le décor n'est pas toujours arrêtée de manière très nette. Et cela peut même aller plus loin, puisque des objets ou des personnages peuvent passer d'une case à l'autre, faisant fi du cadre lui-même. Par exemple, on pourra voir une feuille d'arbre se balader de case en case, virevolter littéralement au-dessus d'elle, pour être finalement attrapée
par l'un des personnages. Dans l'ensemble, le dessin apparaît comme griffonné. On aurait presque un sentiment de dessin sale, comme si les coups de pinceau ou de crayon n'étaient pas finis ou clairement achevés. On peut alors imaginer voir ici une représentation de l'état d'esprit tumultueux et incertain de notre héroïne, ou encore une incarnation des remous politico-sociaux de l'époque, ou peut-être les deux, qui sait. Nous devinons presque chaque trait, aussi infime et léger soit-il, et on sent alors véritablement la présence de la dessinatrice. Une autre originalité concernant la mise en image peut se voir au travers des cadres, des cases. Ceux-ci peuvent être utilisés pour indiquer des pensées ou des souvenirs, car ils deviennent alors onduleux et non plus rectilignes. Les personnages peuvent aussi s'affranchir des cadres et des conventions attendues de la bande dessinée. Par exemple, les cases peuvent carrément disparaître, remplacées alors par une succession de bulles de texte comme une sorte d'escalier avec les personnages se trouvant tout en bas des pages. Enfin, ici ou là, on aura même droit à des reproductions de certaines peintures ayant réellement existé, puisque l'un des personnages principaux, le fameux peintre que va rencontrer notre héroïne, accédera à la renommée des années plus tard, et il est encore connu et reconnu aujourd'hui. En quelques mots, L'Arbre nu est une œuvre qui prend aux tripes. C'est une lecture très addictive, mais en même temps qui risque de vous laisser un certain goût amer dans la bouche. Ici, il n'est pas question de présenter une vision quelque peu aseptisée de la guerre de Corée, mais au contraire de montrer la dureté de la situation de l'époque, surtout du point de vue des civils. Le fait qu'il s'agisse d'une biographie ne fait qu'amplifier ce sentiment de malaise et de témoignage. Autrement dit, il sera difficile d'oublier cette lecture une fois achevée. C'est un récit que l'on pourrait peut-être qualifier de charismatique, tant il émane de l'ensemble une aura évidente et envoûtante. Et le fait qu'il soit enrichi en toute fin de nombreuses informations factuelles et historiques sur la guerre de Corée représente une belle cerise sur ce gâteau qui comprend pourtant déjà de nombreuses couches. Si vous vous intéressez à la Corée, à son histoire, et si vous voulez lire un récit biographique qui suinte de véracité, vous ne pouvez pas faire l'impasse sur L'Arbre nu. Et bien voilà, c'était tout pour moi pour cette fois. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous aura donné envie de découvrir ce livre. Je vous rappelle que si vous voulez soutenir financièrement mon travail, ma chaîne, eh bien vous avez plusieurs options, notamment ma page Tipeee, vous pouvez faire des dons si vous le souhaitez. Vous trouverez, comme toujours, sous la vidéo, des liens affiliés pour Amazon et la Fnac, et je le rappelle une énième fois, il ne s'agit pas de faire de la publicité pour Amazon ou la Fnac, et il ne s'agit pas non plus de vous déconseiller d'aller acheter vos livres chez votre libraire favori. Tout simplement, ce sont des liens d'affiliation, donc si vous achetez vos livres en passant par ces liens, ce sont quelques centimes qui me sont reversés. Voilà, c'est un moyen pratique et détourné de me soutenir si vous ne voulez pas ou ne pouvez pas me faire des dons au travers de ma page Tipeee. Voilà, j'espère que c'est limpide maintenant. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à bientôt pour une future vidéo sur Orion Manga. Bye bye tout le monde !